Salut tout le monde, c'est Kermando, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai pas fait la faute cette fois, et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre Let's Play sur Sonic Generations. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, à commenter, à partager, à t'abonner, et à surveiller les lives. On fait d'autres jeux comme ça en live, je tourne mes Let's Play maintenant en live. Donc voilà, vas-y. Allez, c'est parti pour l'acte 1 de I Don't Know. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que cette zone. Ah, c'est celle avec les baleines. Il y avait dans Sonic Heroes, c'était trop dur. C'était trop dur pour moi. Merde. Allez. Toudoudoudoum. Pourquoi il peut pas faire de double saut là? Ah oui, et c'est même la même musique que dans Sonic Heroes, je crois. Hein. Littéralement. Bon, là, on la reconnaît pas trop quand on est sous l'eau, mais. Oh 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 oh. Non, 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 non. Se faire écraser, c'est encore plus mortel que l'eau. Là, je peux pas y aller. Ah ah ah. Poum. Oula. On va peut-être éviter d'aller là. Mais... merci. Je n'ai pas l'éternité. Hein. Merci. J'ai l'impression qu'à chaque fois, le timing de Sonic sous l'eau, il est super serré. Hein. Genre tu sors quand le truc il commence, enfin il est sur le point de te tuer. Ah mais je me souviens de cet environnement, il était aussi dans... Ok. Dans Sonic... Je sais pas, vous savez le runner Sonic qu'il y avait sur mobile? Oh comment j'y jouais tous les jours. Oh, c'est vrai. J'y jouais trop, j'avais débloqué tous les persos. Comment il s'appelle là le runner C'est pas Sonic Run si? Je sais plus. Celui, ils ont fait un crossover où c'était genre Sonic Forces. Comment c'est trop beau. J'ai hâte de voir le niveau en 3D aussi. Nikumuk. Par contre, les orques, c'est pas très sympa dans la vraie vie. Ça peut manger des gens. Hein. Mais là, tranquille, c'est Sonic, donc ça va. Après, c'est vrai que ça peut manger des gens. Des hérissons un peu plus rarement quand même. Oh 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 oh. Let's go. Ah merde. Oh, c'est bon. Et est-ce que d'ailleurs... Oh merde, merde, merde. Je suis même pas mort. Est-ce que le niveau du Sonic 3D, c'est genre en fait la même map? Et ça expliquerait que des fois tu vois genre des... Merde, des trucs dans l'arrière-plan où t'as... Genre on dirait qu'on peut pas y aller, mais peut-être on y va avec le Sonic 3D, non? Oh merde. Ok, je suis étonné d'avoir été assez rapide, mais tant mieux. Let's go! 2 minutes 59. En S encore, hein, ça fait plaisir. Allez, on va libérer Espio. Ah, je l'aime bien, Espio. Bah, de toute façon, je l'ai déjà dit. Fallait écouter au début. C'était ma team préférée dans Sonic Heroes. Alors qu'en vrai, je crois que c'était la team avec le gameplay le plus. Genre le plus crisant. Ok, je peux faire des sauts muraux. Par contre, quand vous faites un tuto, ce serait bien d'afficher le bouton. Par exemple. J'imagine que c'est le bouton A. Mais genre, ce serait pas mal de l'afficher quand même. Sinon, ce n'est pas vraiment un tuto. C'est une cinématique. Vas-y. Là. Qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai trop peur de tomber dans la mer. Ça m'arrivait tellement tout le temps sur Sonic Heroes. Est-ce que Sonic, il sait pas nager, ce con? Là, pourquoi il peut pas faire le truc? Ok. Bah, monte. Ah non. Faut être dessus pour monter. Ok, éclair. Monte, monte, monte. Oh! Mais attendez, j'ai besoin de vie là, donc vous me faites pas ça. Bon, en fait, moi, ça c'est bon. De toute façon, j'aurais pas de vie sur ce niveau. C'est bon, c'est. C'est décidé d'avance. Ok.
Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était la mort. Hein? Et vous m'emmenez. Ah, ici, okay, c'est bon. Bah, il y a des trucs là-haut, là. Il y a même des rings ici. En vrai, j'y crois peut-être sans ring. Hein. Rah, la musique, c'est trop les souvenirs. Sonic Heroes, je déteste, mais en vrai, ça rappelle quand même beaucoup de trucs. Hein. Genre, je suis trop nostalgique. Parce qu'en fait, même si j'aimais pas le jeu, mais genre, il y a toute une vibe autour des moments où j'y jouais et tout, comment ça date. Ça, c'est genre globalement mon enfance en vrai, Sonic Heroes. Hein. Ouf. Très bien. Après, j'en ai que 22 là des rings. Hein. Pourquoi ils ont des espèces de lances et qu'ils ne lancent même pas? Yes. 49. Eh, il y a peut-être moyen d'avoir les 100. Attendez, il y a des trucs là. Comment on y va? En revenant en arrière comme ça dans Sonic, c'est le meilleur moyen de tomber dans le vide. Donc on évite. Alors je voulais pas aller par là. Hein. Mais si vous me forcez. C'est quoi ça? Oula oula oula. 75, let's go! Bon, là, y a pas besoin de faire des dérapages, ça fait tout seul. 80, je dois pas me faire toucher. Oh non, non, non. C'est surtout que je pense que la fin elle est là, non? Merde. Peut-être pas tout de suite si ça le sent. Hein. Ça sent la fin là. Ramasse des rings là, pourquoi il y en a pas? Ah. Quoi? Il m'en manque deux! Oui, 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 let's go! Par contre, je fais quoi là? Ah, je défonce la porte. Ça fait longtemps que je suis pas mort, hein. J'ai appris à jouer ou c'est comment? Ok. Monte, monte. Bon, c'est pas grave, j'ai eu ma vie. Ouf, j'avais pas vu, j'étais parti. Mais comment ça? Pourquoi j'ai perdu tout mon boost là? C'est un bug, non? Vas-y, vas-y. Ok, ça tombe au bon moment. Par contre, il est super long le niveau en vrai. Hein. 4 niveaux, enfin 4 minutes. Ah là, ça aurait été pas mal d'avoir encore du boost, hein, mais... Oh! Oh, j'ai eu peur. Merci les petits orques. Ça arrive au bon moment, ça! Let's go! Rip. Surtout dans un super long niveau. Après, ça me dérange pas de le refaire. J'aime trop le jeu, donc ça me dérange pas de recommencer. Et voilà! Bon, faut que ça sauvegarde! Vite, je skip vite, là. Je veux la sauvegarde tout de suite. Oh, bonjour, monsieur l'orque. Ça n'a pas sauvegardé, hein. Ça sauvegardera après le dialogue. Peut-être. Potentiellement. On espère. Il vit sa meilleure vie l'autre alors qu'il est dans un bain minuscule. Oui, il y a Espio, ouais, on sait. Ah mais donc là, le monde est terminé. Enfin, il reste les challenges et le boss. Ok, mais Espio, il a pas le droit à une cinématique. Ça sent pas bon du tout. Attendez, mais... Vous m'avez dit que Tails... Il était... Attendez, j'écoutais, mais vous m'avez dit que Tails, donc le petit là, il a quoi, 4 ans, 3 ans? Parce que quand même là, je voudrais faire un petit commentaire. Tails, petit Tails, hein, Tails enfant, Tails bébé, je sais pas comment on l'appelle, Tails classique. Ouais, ouais, il met une vitesse...
à tes adultes depuis tout à l'heure. Genre tout le monde est là en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Et tes enfants, il est là en mode c'est simple, j'ai compris. Et là, il explique. Et l'autre, après, il complète. Enfin, là-bas, c'est quand même Tails classique qui a compris. Alors qu'il a 3 ans ou 4 ans. En fait, Tails, c'est l'inverse. En grandissant, il est devenu plus con. On dirait bien. Bref, donc là, c'est... Ouais, le boss, mais il faut les clés. Bah non. Je veux Shadow. Bah oui, non, mais y a pas le choix. En fait, c'est vraiment ça. Comment on y va? Ah, comme ça, let's go. Bon, allez, c'est parti pour le combat contre Shadow pour avoir l'émeraude du chaos. Rival Battle. C'était vraiment les prémices de Sonic X Shadow Generation. D'ailleurs, les gens, allez voir sur... Ok. Tapez sur Google Images Sonic X Shadow pour voir, pour vérifier ma théorie qui fait qu'en 2011, ils avaient déjà prévu ce jeu. C'est juste un petit conseil que je vous donne comme ça, mais ça pourrait vous révéler des secrets. Sonic X Shadow. Écrivez Sonic X Shadow fan art. Ou dessin. Sonic X Shadow dessin, des trucs comme ça. Genre, on trouve plein d'infos là-bas. Vraiment très intéressante. Ok. Allez, allez. Mais attendez, en fait, je dois récupérer le truc avant lui, c'est ça le délire? Mais genre, il est trop rapide là. Ah ouais, non mais ouais, il fait que de me doubler, là, ça va pas. Bon, là, ça dit un peu trop courant, mais c'est pas grave. On refait. C'était très court. En fait, c'est le turbo. Moi, ce que je vois, c'est que c'est le turbo qui nous fait crash. Comment ça, Shadow, il a des rings aussi? Pourquoi faire? Ah, par contre, je l'ai culbuté, là. J'en sais rien, vous parlez alors qu'il y a de la musique et tout. Comment je peux comprendre ce que vous dites, là? Mais je l'ai buté là. Mais non, merde. Il est nul le Shadow là. Mais attends, mais là je l'ai dépassé la boule. Faut que je la dépasse ou que je la récupère? Ah, fallait que je la récupère. Merde. Ah non, mais en fait il la récupère à ma place le con. Putain, je le hais. Bon, je boycotte Sonic X Shadow Generation. À moins qu'il me laisse gagner. Mais attendez, je l'ai dépassé là. Non mais je l'ai pas encore dépassé. Si? Hein? I don't understand. En tout cas, ça donne des vies cet endroit, donc c'est bien, mais... Oula! Ok. Quoi? Je me suis pris quoi? Il y avait littéralement rien. T'es trop nul, Shadow. Hein. En fait, c'est pas difficile de le doubler, mais ce qui est difficile... Ah, merde. Ce qui est difficile, c'est de récupérer la boule, quoi. En fait, je devrais arrêter d'utiliser le turbo quand je suis prêt, hein. Merde. Ah ouais, non mais d'accord, mais si vous me faites passer au-dessus, je l'aurai pas. Elle est où? Bon, j'aimais bien le concept au début, mais là, j'avoue que je suis circonspect. Mais dégage! Mais non. Mais non. Si c'est pas de la triche, ça. En fait, il a trop de ring. Ah, je l'ai lui retiré, d'accord. Si, ramasse, ramasse, ramasse. Mais quoi? Ah non, je l'ai eu. Ah ok, d'accord, j'ai eu peur. Vraiment, je vais pas du tout finir dans les temps là. Hein. Ah merde!
Ouais, c'est où? Des fois, elle disparaît, elle s'en va. Dégage! Pourquoi? Parce que t'es nul. Let's go! Et donc maintenant, Sonic Power Up. En fait, j'avoue que j'ai toujours pas compris ce qu'il faut faire. Hein. Je dois appuyer sur quel bouton là? Je saisis pas. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Ah, cette musique, elle est trop connue aussi. Bah oui, vas-y, non. En fait, faut le mettre à zéro ring et lui donner un coup, c'est ça le truc. Si c'était juste ça, j'étais même pas obligé de me supercharger pour le faire. J'aurais pu le faire normalement. J'imagine. I don't know. Mais en tout cas, c'est bon, on a l'émeraude du chaos. Rang A. C'est quand même pas mal. Je pensais que j'aurais eu beaucoup moins que ça. Vas-y, donne l'émeraude. Let's go. Alors, moi j'aime bien Espio, mais je sens que le niveau il a l'air relou, donc vas-y. Go for it! Drill, baby, drill. Smash your best boxes. Allez! En plus, ce niveau il était trop bien. Je crois que c'était le meilleur niveau du monde. Enfin, pas du monde, genre de la Terre entière, mais je veux dire de ce monde. Bon, par contre, stop. Ah! Ok, j'ai compris. Par contre, j'imagine qu'il faut pas se prendre les bombes. Ça pourrait être un bon début, un bon commencement. Merde! C'est difficile de l'arrêter, le petit Sonic. Hein. Non, non, un petit saut, pas trop, voilà. Il a du mal à faire des petits sauts, lui. Sonic, il fait tout dans l'excès. Vas-y, on s'en fout, là. Je suis pas là pour récupérer des rings, je suis là pour terminer le niveau. Et passer à la suite. Comment tu fais pour pas faire autant de coups? J'ai l'impression que je suis obligé de m'élancer à l'autre bout du monde. Ah, c'est la fin? Ok, très bien. En une minute au lieu de 2 minutes 10, ils abusent quand même. Bah oui, je l'ai fait, non? Ouais. Quoi? Oui, oui, j'ai réussi le défi. Ouais, non, ils abusent. C'était impossible de faire... d'être si lent que ça. Hein. Quoi? Oh, Osef. C'est qui pour vous le... Enfin, c'est lequel pour vous le meilleur jeu Sonic? Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Et c'est vraiment mieux que la fraude qui était Sonic Colors. Hein. Sonic Colors, comme on me l'a vendu pendant des années, quand j'y ai joué, là, sur Switch, j'étais là en mode... Mais en fait, c'est très très nul. Mais vraiment très très nul, quoi. Il y a des moments bien, mais sinon... Bon, allez, acte 2, challenge 5. C'est parti. Tear from the deep. Attends, quoi? Je devais pas juste tuer les ennemis, là? Non? Bon, 1 minute 10, ça doit être un truc facile, alors. Enfin, rapide. Par de gros choppers, c'est quoi les choppers? Ah, c'est des orques mécaniques. Bon. Ça, ça avait l'air facile au début. Ouh. Je crois que j'étais sur le point de me faire avoir. Hein. Heureusement que c'est pas Instades, vous imaginez. Ok. On fait gaffe. Des petites sauvegardes. Après, quand c'est des lignes droites, faut pas abuser quand même. Ah, mais c'est pas une ligne droite. Ok, ok, j'ai trop peur. Ça me stresse trop. Et après, il y a des checkpoints partout. Hein. Je sais pas combien de vies j'ai là, mais je dois en avoir récupéré beaucoup. Oh, bah, c'est tout! Ah non, mais ouais, j'étais à 5 secondes quand même de pas avoir le rang S. Très bien. Bon, une clé de plus.
J'espère qu'il y en a toujours 3 à voir ici. Qu'ils en ont pas rajouté. Non. Ah mais attendez, mais non. En fait, on a loupé un... Ah non. Rouge, elle veut quoi comme challenge, elle? Attends, mais non, j'ai déjà eu celui de cette zone, en fait. C'est à City Escape que j'ai pas eu. Ouais, faut que je reste à gauche. Y'a Cream. Quoi? Ouais, c'est juste Cream qui m'envoie des... rings. On s'en fout, de toute façon, faut juste arriver à la fin. Avec la touche Y, je t'appelle. Ah, pour que tu me donnes des rings. Ah, je comprends. Ah ouais, merde. La musique. Incroyable. En fait, sur Cream, ils vont avoir mis un challenge difficile. Alors que Cream, c'est littéralement, normalement, sur Sonic Advance, genre la personne, enfin le personnage des missions, enfin le personnage trop simple. Vu qu'il peut voler à l'infini, je crois, et tout. Peut-être pas à l'infini, mais presque. Genre quand j'arrivais pas à Sonic, je jouais avec Cream. Merde. J'espère par contre c'est pas trop long. Ouais là, oula oula oula, en plus ils ont rajouté des obstacles. Ah ouais, c'est bien ce que je dis en fait. Ils ont fait le niveau mais en mode plus dur pour Cream. Merci, je voyais rien. Let's go. Enfin, mode plus dur, mais faut pas non plus abuser, ça reste quand même assez simple. Hein. Ah oui, mais il y a ça. Ça sert à quoi ça donc? Ah, ok. Il nous oblige à faire des petits combats. Je sens les pics là, non? Et bah dis donc, je suis arrivé dans les temps et en utilisant aucune de mes vies. Donc c'était un petit peu plus dur, mais en vrai c'était quand même relativement simple. Bref, voilà, on a toutes les clés. Et bien les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Sonic Generation, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, partager, de t'abonner. Pour rappel, cette vidéo est... Enfin, cette vidéo, ces vidéos sont tournées en live. Maintenant, certains de mes let's play, je les tourne en live, ça fait quelques temps maintenant. Ce qui veut dire que, genre, bah, juste, je tourne comme si je tournais un let's play normal, hein. D'ailleurs, dis-moi si ça se voit. Ça a été tourné de manière différente en live plutôt que pas en live. Dis-le moi si ça te ressent, dis-moi s'il y a des pistes d'amélioration. Mais sauf que par contre je coupe le chat pour pas faire comme les autres lives où genre je commence à parler pendant 30 minutes d'autre chose, etc. etc. Donc dis-moi si ça passe, dis-moi ce que je pourrais améliorer, etc. Merci à ceux qui étaient là pour le live, vous étiez nombreux, merci pour les subs, merci pour tout ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, hein. Vraiment n'oublie pas de liker. N'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche sur Twitch et ou sur YouTube. Comme ça, tu seras au courant de tous les lives pour les prochains let's play. En fait, genre, si tu regardes le let's play en live, c'est un peu comme si tu voyais le let's play en avance. Ce qui est quand même bien. Hein. D'ailleurs, si pour le prochain Yuka Watch, s'il y a un nouveau Yuka Watch, genre, les vidéos seront aussi tournées en live. Hein. Donc voilà, mais c'est dans longtemps. Bref, les gens, merci à tous et à demain. Et oui, demain pour la suite. Salut!